Bon, Guillaume, bonjour. Nous étions ici au CEMO, Salon des études de marché, pour une présentation sur le CRM et le social CRM. Alors, qu'est-ce que c'est l'avenir du CRM en 2012? Alors l'avenir du CRM, c'est effectivement ce qu'on a un petit peu développé là pendant l'heure. Ça sera surtout pas le social CRM, ça sera bien l'intégration du social CRM dans le CRM et la prise en compte du web comme un nouveau canal. Mais c'est vrai que la conférence a été l'occasion de s'interroger sur véritablement tout ce que le canal du web vient révolutionner dans la relation client et la nouvelle donne qu'il impose, même si on doit garder les fondamentaux. Pourquoi le social CRM n'est pas une chose qui doit vivre en soi alors ? Parce que c'est un canal d'expression du consommateur et que derrière ce que l'on cherche, c'est le client. C'est pas le canal particulier. Donc tous les moyens sont bons d'accéder au client, que ce soit un guichet, une lettre de réclamation, le web. Voilà. Donc il faut être capable derrière d'intégrer ce canal au même titre que les autres. Et il ne faut effectivement pas être dans cette sorte de fantasme qui consisterait à dire que le web est un nouveau territoire, un terrain incognita, qu'il faut traiter de façon totalement autonome et indépendante des autres médias ou des autres modes d'expression que l'on connaissait auparavant. Dernière question, on a beaucoup parlé d'influence et d'autorité dans cette présentation. Alors c'est ton centre de compétences d'ailleurs avec l'influence. Alors est-ce que tu peux nous l'écrire brièvement ce qu'on s'est dit là-dessus? Alors, on a essayé de dresser une petite définition qui permet un petit peu de s'y retrouver dans cette question de l'influence. Déjà dire que la question de l'influence n'est pas qu'une question d'influence sur le web, c'est une question beaucoup plus large qui occupe les sociologues ou plein de gens depuis des centaines d'années. Voilà, donc nous on a essayé de travailler sur les notions d'autorité contre la notoriété, le fait d'être connu, le fait d'être reconnu pour ce que l'on fait ou d'être connu largement. Et puis on s'est aussi intéressé, on a aussi pas mal discuté de toutes ces nouveaux miroirs aux alouettes que sont les outils de mesure de l'influence qui tenteraient de réduire l'influence à un simple chiffre, à un nombre, une note sur 10 ou une note sur 100, et en fait qui joue sur cette tension qui est que effectivement le web va nous permettre de calculer plein de choses qui sont passionnantes, mais il ne faut évidemment pas réduire l'influence à un chiffre, et il faut être capable derrière de qualifier cette influence.